Joyeux 5e anniversaire, chers amis. Merci de donner vie à cette citation de José Martí, « La solidarité est la tendresse des peuples ». Je vois plein de partis dans plein de pays. J'en ai vu un qui s'est levé contre ça et qui essaie, pour commencer, de remettre un peu de logique dans notre système démocratique à nous, au Québec. Et c'est Québec solidaire. Et qui dit des choses qui sont courageuses, qui ne sont pas à la mode dans ce monde néolibéral, qui s'oppose aux adhérents du Québec lucide et qui présente des opinions courageuses. On se souhaite aussi à nous d'avoir longtemps un parti alternatif qui tienne tête au discours ambiant. Québec solidaire défend la justice sociale, l'égalité entre les hommes et les femmes. L'égalité entre tous les citoyens québécois, quel que soit l'endroit où ils sont nés. Parti qui partage mes valeurs de paix et de non-violence. À travers le leadership de Françoise, elle a donné une voix aux femmes. Il était temps qu'on ait un parti qui soit capable d'arrimer des enjeux à la fois environnementaux, sociaux et économiques. Un parti qui fasse des propositions, qui soit innovante, qui n'ait pas peur de se tenir debout. Ça fait maintenant 5 ans que les travailleuses et les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux peuvent compter sur l'appui d'un parti qui les représente à l'Assemblée nationale. Un parti qui les supporte, qui nous supporte quand on est en lutte contre la privatisation des services publics. On a aussi fêté récemment le 40e anniversaire de l'assurance maladie pour laquelle on s'est battu au Québec et qui résulte d'un choix de société collectif, solidaire, et qu'on doit continuer à défendre aujourd'hui pour un monde plus juste, plus solidaire, plus libre, plus en santé. Un monde dont le cœur qui le fait battre est l'être humain. Si Françoise et Amir, je vous aime beaucoup et je vous fais entièrement confiance. Bon 5 ans. Bonne fête. Bonne fête!